Non mais les conditions sont pas optimum, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, j'ai essayé de faire un truc qui va tenir et on réparera quand le vent va se calmer. Rien de très grave, mais il y a du vent apparent, ouais. C'est la vitesse du bateau plus le vent, ça fait presque 50 nœuds de vent apparent, donc ça... on a du mal à avancer vers l'avant du bateau. Non, c'est sûr que hier, il y a deux jours, on était 200 ou 300 000 derrière les premiers. À 3 nœuds de moyenne quand ils étaient à 30 nœuds, on n'aurait jamais imaginé que à la sortie de Rio, on serait en tête. Tout le monde a eu ses malheurs. Ouais, on est en. Il y a un peu de vent, pas énormément, mais il y a surtout une très mauvaise mer. Et du coup, les bateaux souffrent. C'est dur de savoir où placer le curseur. C'est vrai qu'on est sur le frein, comme la première nuit, et puis on voit notre petit camarade Massif là, qui était sur le frein cette nuit, on ne sait pas pourquoi, et il a réaccéléré. On essaie de se caler sur sa vitesse sans trop en faire, parce que je pense que le bateau peut aller beaucoup plus vite, hein, mais la mer est pas bonne. Donc voilà, et comme on l'a pu le voir ces trois derniers jours, quatre derniers jours, il peut se passer beaucoup de choses cette course. Et on a du mal à. On va vite, mais on a du mal à aller vite et rien casser sur 30 jours, c'est un peu la difficulté. Donc il faut trouver où placer le curseur et c'est pas évident. Allez, allez, bon.